Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chikuni FM. Vous êtes à l'écoute, à la radio, également sur les réseaux sociaux. La page bleue de votre radio sociale étant aussi mobilisée, sollicitée, mieux orientée pour ce soir pour parler de Mayotte. Parlons de Mayotte à tous les niveaux, politique, économique, social également. Le quotidien des Mahorais nous préoccupe pour ce soir. Nous avons à nos côtés, comme d'habitude, d'ailleurs, un candidat qui est parmi nous, un candidat majeur pour Mayotte, qui est parmi nous pour nous parler aussi de l'actualité de Mayotte, partager ses connaissances, partager aussi sa position au niveau de notre société. Et nous avons pour ce soir Monsieur Sula Saïd Soufou, bonsoir. Bonsoir Marcel, bonsoir aux Mahoraises et aux Mahorais et bon Ramadan à toutes et à tous. Autant de sujets d'actualité d'ailleurs à développer pour ce soir sur Chikuni FM. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à planter aussi vos messages directement via la page bleue de votre radio sociale et solidaire à Mayotte. Alors on revient sur l'actualité et rappelons tout simplement votre position dans la société Sula Saïd Soufou. En date du 27 mars 2022, vous avez tenu promesse, chose faite d'ailleurs, vous avez tenu votre conférence de presse, liée à quoi? Cette conférence de presse était l'occasion de parler aux Mahorais et aux Mahoraises pour officialiser ma candidature aux législatives. C'est une candidature qui était attendue par un certain nombre de personnalités qui sont autour de moi et nous nous étions donné rendez-vous à Sada, dans un magnifique site que je vous recommande et qui était l'occasion de dire simplement que nous sommes dans le jeu, nous allons défendre nos convictions, nous allons défendre Mayotte et je remercie l'ensemble des personnalités, des militants qui sont venus nous tenir compagnie ce jour-là. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec eux et avec les Mahorais. Alors, défendre les intérêts des Mahorais, vous êtes candidat à quel événement? Parce qu'on a deux élections qui chevauchent, entre autres les élections présidentielles et les élections législatives qui arrivent très prochainement. Vous vous positionnez pour laquelle parmi les deux? Vous vous doutez bien que je ne suis pas candidat à la présidentielle. Qui dit mieux? Je me présente donc aux législatives dans la circonscription numéro 2, communément connue comme la Circo Sud, pour les législatives des 12 et 19 juin prochains. Autant d'engagements, bien évidemment, tenus par notre cher Sula Saïd Soufou. Alors, qui dit législative dit tout simplement la députation. Absolument. Alors, quel est le rôle d'un député? C'est une question classique, basique, que se pose aujourd'hui à Mahoré. Un député est un législateur, c'est-à-dire qu'il vote la loi de la République. C'est d'abord son rôle majeur, son premier rôle. Mais on oublie souvent un deuxième rôle qui est tout aussi important, c'est celui du contrôle de l'action du gouvernement. Et là, il y a faillite, il faut le dire. L'action du gouvernement ne fait pas suffisamment l'objet de contrôle. Moi, je le dis, on entend souvent ici des rapports d'inspection générale sur les questions de l'immigration, sur les questions de la sécurité ou sur les questions des affaires sociales, mais on entend rarement des rapports parlementaires sur ces sujets-là, alors que c'est le deuxième rôle majeur du parlementaire. Il y a un autre rôle qui est celui de la représentation, celui de représenter la population par le suffrage universel direct qu'il reçoit, de les représenter à l'Assemblée nationale auprès des autorités de l'État. Mais j'estime, moi, en ce qui me concerne, qu'au-delà de les représenter et de voter la loi, le contrôle de l'action du gouvernement, et il y a tant de choses à contrôler en matière d'action du gouvernement à Mayotte, à commencer par les questions de sécurité, de santé, de social, il y a des choses à faire. Et moi, si les Mahorais me font confiance le 12 et le 19 juin prochain, je serai ce législateur exigeant qui contrôlera, comme la Constitution lui donne mandat,
l'action du gouvernement à Mayotte. Alors à Mayotte, la circonscription numéro 2 est constituée, composée de quel environnement, quelle commune? Il y a une dizaine de communes, la commune de Mtsangamouji, la commune de Tsingoni, la circonscription numéro 1 de Mamoudzou et tout le sud. Tout le reste des communes du centre et du sud constituent cette circonscription numéro 2 qui est très belle, qui est riche, qui a un potentiel économique extraordinaire, qui est défendu par les intercommunalités, l'Académa, l'Interco du centre-ouest et l'Interco du sud, des gens qui font un boulot formidable que je tiens à saluer ici. Alors, on va descendre en profondeur et voir au plus proche de la population quel serait le quotidien de député une fois élu pour sa population. Un député doit d'abord parler au nom de sa population. Et pour parler au nom de sa population, il faut connaître les préoccupations de cette population. Les préoccupations des Mahorais sont maintenant connues. La question de la sécurité, que nous ne devons plus aborder de la même manière que nous avons fait jusqu'à maintenant, car les méthodes qui ont été employées jusqu'à maintenant ont fait l'aveu de leur échec. Il y a donc besoin de renouveau dans ces politiques sécuritaires. Les Mahorais sont également concernés et préoccupés par les questions sociales. La question de l'égalité sociale doit faire l'objet d'un travail approfondi auprès des services de l'État. La question de la justice. Vous savez que nous avons des questions qui sont relatives à la justice. Les Mahorais ne comprennent pas le fonctionnement de la justice. Nous n'avons pas de palais de justice. Il n'y a pas de cité judiciaire ici. Et il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Les Mahorais sont également préoccupés par les questions de pouvoir d'achat. La vie est chère à Mayotte, très chère à Mayotte. Et particulièrement en cette période de guerre en Ukraine qui impacte notre économie. Bref, pour vous dire que l'ensemble de ces sujets doivent être au cœur des préoccupations du parlementaire qui doit défendre les intérêts de Mayotte auprès de l'État et dans chaque texte de loi qui est présenté au Parlement. Merci, merci à vous. Des questions assez épineuses qui nécessitent une réflexion de manière approfondie, bien évidemment, reposent ici à travers ce plateau. Alors, on reste toujours autour de la députation, de votre candidature pour la députation. Une place pour les artisans, pour les économistes, tout simplement, les développements économiques aussi, vous en parlez aussi dans vos programmes. Naturellement, c'est une place centrale, à côté de la question de l'égalité, qui est pour moi une question fondamentale. Moi, je ne suis pas de celles et ceux qui parlent d'assistanat. Si on parle d'assistanat à Mayotte, quand on demande l'alignement des droits sociaux, on doit parler d'assistanat au niveau national. Moi, je suis pour plus de France, donc plus d'égalité, et plus d'Europe, plus d'investissement, plus de sécurité à Mayotte. Moi, je suis hostile à ce discours qui stigmatise les 84% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Il faut l'égalité. Et à côté de la question de l'égalité qui est due, qui est une égalité républicaine, il nous faut réinventer l'économie de Mayotte. Réinventer l'économie de Mayotte, c'est s'occuper d'abord des plus petits, des entreprises les plus petites, des artisans qui font Mayotte. Le cœur, le tissu économique de Mayotte est composé d'abord d'artisans, de petites entreprises. Il faut s'occuper de ces entreprises. Moi, je souhaite qu'il y ait une ambition nouvelle qui puisse commencer dans les communes, qui passe par les intercommunalités, par le département et par une région plus forte. Moi, je militerai pour qu'il y ait une nouvelle ambition pour notre région. La région Mayotte, parce qu'elle existe, nous exerçons les compétences dévolues au département et aux régions. La région Mayotte n'a pas les moyens du développement de Mayotte. Il faut une région Mayotte forte et elle sera au cœur de mes préoccupations. Une région Mayotte forte, c'est une région Mayotte qui a les moyens du développement économique de Mayotte
Et une région Mayotte, c'est une région qui a les moyens d'accompagner les entreprises, notamment les artisans qui sont les plus fragiles. Si nous devons internationaliser Mayotte, et c'est une ambition forte qui est la mienne, qui sera au cœur de mon programme, il faut penser à nos artisans qui doivent aussi avoir leur place dans l'économie régionale. Nous ne devons pas nous cantonner au tissu local qui est trop exigu. Dans 374 km², il faut que nos artisans, nos entreprises, petites, moyennes ou grandes, puissent rayonner dans notre région. Et nous devons avoir les moyens au niveau de la région, au niveau du schéma d'internationalisation de notre département, pour accompagner et aller à la conquête de l'économie régionale avec nos artisans. Alors, les relations de proximité vont aussi se multiplier. Et j'imagine bien, vous avez tout à l'heure évoqué les interco, les communes. Quel modèle allez-vous développer pour vous mettre en relation, vous mettre aussi en confiance avec ces autorités de proximité, vous en tant que député? Je pense que nous parlons au nom de Mayotte quand on est parlementaire. Et parler au nom de Mayotte, c'est parler au nom des personnes physiques comme des personnes morales, parce que l'ensemble de ces personnalités, de ces personnes morales, contribuent au développement de Mayotte. Moi, je passe mon temps à me préoccuper de la santé de nos entreprises. C'est la raison pour laquelle j'ai saisi, et nous en parlerons, le ministre de l'économie sur la question des délais de paiement. Moi, je me préoccupe également de la santé de nos entreprises quand je demande une santé financière plus forte pour notre région, pour que précisément cette région puisse accompagner plus vigoureusement nos entreprises. Moi, je me préoccupe chaque jour de la santé de notre économie, pas simplement en période électorale. Et c'est ce qu'on demande à un élu et précisément à un parlementaire, car au niveau national, défendre les dotations de nos collectivités, défendre la dotation régionale, la dotation des municipalités, des intercommunalités qui investissent dans le tissu économique, c'est défendre nos entreprises, et c'est au cœur de notre projet politique. Alors, en parallèle à ce que vous venez de dire, vous avez adressé un courrier au ministre de l'économie, à monsieur le ministre de l'économie, monsieur Bruno Le Maire. Qu'en est-il de ce courrier aujourd'hui? Avez-vous obtenu une réponse? Il est trop tôt pour parler de réponse. L'objectif était simplement d'alerter et d'attirer l'attention du ministre de l'économie et des finances pour lui dire ceci. S'il y a une insécurité physique pour les populations, pour la population de Mayotte, il y a aussi une insécurité financière pour les entreprises et notamment pour les plus petites d'entre elles. Il faut sauver nos entreprises comme il faut sauver les Mahorais de la violence. Sauver nos entreprises, c'est accompagner les collectivités locales via l'AFD avec les avances de trésorerie pour payer plus rapidement, pour mandater plus rapidement au niveau des collectivités et donner plus de moyens personnels, humains au trésor public pour mandater plus vite et plus rapidement les paiements, liquider les paiements qui s'accumulent au niveau du trésor public et qui mettent à mal la vie, la santé économique de nos petites entreprises. C'était l'objet de ce courrier. Et moi, je sais toute l'attention que porte le ministre de l'économie et des finances sur la santé des petites entreprises. Et je ne doute pas qu'il apportera les réponses appropriées très prochainement. Et sans doute, bien évidemment, les remarques faites par les autorités qui investissent sur Mayotte, ils disent que les moyens sont là. Par contre, les réponses, enfin, les demandes sont plus bas. Peut-être que les entreprises ne se manifestent pas pour autant, pour peut-être freiner ce fléau. Moi, je ne suis pas de cet avis. Moi, je pense que nous avons un défaut d'accompagnement de nos entreprises. Nous travaillons ici comme si on était en région parisienne avec un tissu économique qui a 1000 ans. Le tissu économique de Mayotte, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est fragile et il n'a certainement pas 1000 ans. Nous devons
apprendre à accompagner les petites entreprises qui sont souvent réduites à un emploi ou deux, trois parfois. Il faut mieux les accompagner et adapter la législation et la réglementation aux réalités de Mayotte. Nous aurons le temps, plus tard, d'être plus drastiques sur un certain nombre de domaines, mais il faut un peu plus de souplesse sur l'octroi des subventions, être plus à l'écoute des entreprises, les accompagner davantage pour qu'elles puissent grandir. Nous ne pouvons pas continuer à avoir 84% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté et dire que nous attendons que les entreprises viennent. Il faut aller les chercher, y compris dans leur propre site, sur leur propre site, pour les accompagner. Car il en va de la vie économique de Mayotte, il en va de la santé de Mayotte qui doit s'externaliser, qui doit s'internationaliser. Et si nous devons nous internationaliser, nous devons d'abord accompagner les entreprises et notamment les plus petites. Et à force de le dire, de le constater ici, on a l'impression, encore une fois, que ça bloque. Quelle marge de manœuvre disposons-nous pour aller plus vite, peut-être voir aussi autour de nous ce qu'on peut développer au quotidien, voir de façon concertée avec les autres qui sont autour de nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous parlez des questions de coopération, voilà, c'est bien de cela. Mayotte a beaucoup à offrir. Et le projet gazier du Mozambique est symptomatique des possibilités qui sont offertes à Mayotte. Mayotte est un territoire stable, qui a une monnaie stable et forte, qui a une géographie séduisante au niveau touristique. Nous devons donc faire en sorte que Mayotte puisse offrir des services. Et c'est cela, notre capacité, notre compétitivité. Des services en matière de santé. Nous parlons du deuxième hôpital de Mayotte. Il faut aller bien au-delà pour offrir à Mayotte un CHU qui offre des services de santé de qualité à l'ensemble de la région, pas gratuitement, des services de santé dans la région. Nous devons offrir également des services en matière de scolarité. Nous ne pourrons pas continuer ainsi à scolariser tout le monde gratuitement. Il va falloir avoir aussi une offre tarifée au niveau de l'éducation. Nous devons également avoir plus d'offres dans l'hôtellerie et la restauration pour pouvoir accueillir ces investisseurs qui regardent Mayotte avec jalousie. Avec jalousie parce qu'ils voient qu'il y a un bout de France, un bout d'Europe ici qui a du potentiel. Et nous, dans notre schéma d'internationalisation, dans notre schéma d'aménagement régional, nous devons réfléchir à tout cela et se dire que les gens attendent de nous des services de qualité, parce que les services de qualité sont en France, sont en Europe, et nous sommes en France, et nous sommes en Europe. Voilà comment les gens nous regardent autour de nous. N'hésitons pas, n'ayons pas peur d'offrir nos services à la région. C'est notre seule porte de sortie pour gagner en compétitivité. Alors, disposez-vous d'un quota pour régionaliser cette stratégie? Moi, je pense que le département, dans son volet régional, a toutes les manettes et toute la force pour pouvoir mener une bataille économique sérieuse et réussie dans la région. Il faut que nous nous en donnions les moyens. Et sans donner les moyens, c'est déjà défendre des élus qui iront demander les moyens de droit commun pour notre région. Et je serai ce député-là qui défendra des dotations de droit commun. Ce n'est pas de l'assistanat. Quand on donne un euro à un Parisien, on doit donner un euro à un Mahorais. Quand on donne un euro par habitant à la région Île-de-France, il faut donner un euro par habitant à la région Mayotte. C'est d'abord cela, la base. La deuxième chose, c'est nous armer de compétences. Et moi, j'appelle. J'appelle à contribution la jeunesse de Mayotte. Où qu'elle soit, rapprochez-vous, au moins intellectuellement, des réalités et des potentialités économiques de Mayotte. Imaginez avec nous le Mayotte de demain. Une île plus
en sécurité, une île plus prospère, une île qui se développe, une île qui s'exporte avec vous. Mmh. Vous êtes à Dubaï, vous êtes dans les Amériques, vous êtes en Chine, vous êtes en Europe, vous êtes en Russie, vous êtes dans le nord de l'Europe. Venez à Mayotte, participez au développement économique de notre île, mmh. car c'est ensemble que nous allons réussir. Et je sais que partout dans le monde, Mayotte dispose de talents. Je les connais, je les côtoie et je les invite mmh. à se joindre à nous pour y arriver. Alors, puisque vous vous êtes favorable à la venue des compétences venant d'ailleurs, êtes-vous favorable pour la mise en place d'un ou des visas d'affaires spécifiques pour Mayotte, pour favoriser ce développement? Le visa d'affaires à Mayotte n'a pas à être spécifique. Mmh. Un visa d'affaires de droit commun qui permet aux entreprises, partenaires des entreprises mahoraises, de venir à Mayotte en termes de prospection mmh. et pourquoi pas pour venir y investir. Mayotte souffre et nous voyons que malgré le milliard promis par l'État, nous sommes loin du compte. Nous avons donc besoin d'accompagner mmh. les entreprises mahoraises. Elles sont nombreuses à chercher des partenariats économiques à l'international et c'est ce qu'il faut faire. Il faut donc un peu de cohérence. Quand on demande de l'internationalisation, plus de compétitivité, il faut être aussi cohérent. Si nos entreprises travaillent à l'international, nous, des coopérations avec des entreprises à l'international, mmh. il faut que l'État facilite les visas d'affaires. On ne peut pas simplement délivrer à la chaîne des visas migratoires et oublier que l'essentiel est l'économie. Et c'est l'économie qui va accompagner le développement de Mayotte. Alors oui, je milite et je militerai pour le déblocage des visas d'affaires qui sont essentiels pour le développement économique de Mayotte. Merci, merci à vous. Merci aussi à ceux ou celles qui sont du côté de la radio. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à nous poster aussi vos posts directement via la page bleue si vous êtes rattaché à votre toile en ce moment. Nous sommes ensemble pour évoquer Mayotte. Parlons de Mayotte et parlons de Mayotte dans sa globalité. Et nous parlons de Mayotte côté économique, etc. Et nous sommes arrivés pile poil d'ailleurs au mois de Ramadan. Un mois sacré pour les Mahorais à 99%, monsieur Saïd Soufou. La vie est encore plus chère en cette période du mois de Ramadan. D'où vient cette cherté de la vie? Je profite de l'occasion d'abord pour souhaiter un bon Ramadan aux Mahoraises et aux Mahorais et leur souhaiter un mois de repos, de tranquillité, de sérénité dans la pratique de notre foi. La vie est chère en termes généraux à Mayotte et la vie est encore plus chère pendant le mois de Ramadan alors que les musulmans que nous sommes appelés à faire preuve de partage, d'émotion, de sérénité, de recueillement, de fraternité, d'amitié, de bon voisinage. Et nous voyons que beaucoup profitent de cette période pour augmenter les prix. J'en appelle au cœur des entreprises, des agriculteurs, des boutiques, des échoppes, de toutes celles et ceux qui font commerce en cette période, de se rappeler que nous devons être solidaires en cette période et donc garder des prix raisonnables pour permettre à chacun de rompre le jeûne avec un repas équilibré et équitable. Une vie chère d'ailleurs qui se traduit par des flambées par moment et on observe depuis peu le prix d'une bouteille de gaz de 12 kilos passant de 26 euros à 29 euros. Une exception peut-être pour Mayotte. Oui, je pense que c'est excessif, même si on va nous retorquer que la guerre en Ukraine a des répercussions sur le gaz. Mais je sais que la loi invite les acteurs économiques à avoir des réserves. Et donc, je pense qu'il faut mettre à contribution ces réserves pour éviter d'augmenter trop excessivement les prix du gaz. Les Mahorais ont besoin de cuisiner en cette période. Les Mahorais ont besoin de tranquillité, pas de vie chère, surtout pas en cette période de recueil. Alors,
J'ai envie de poser la question. D'ailleurs, les internautes aussi se demandent aussi de leur côté comment faire? Quelle solution doit-on apporter pour éviter cette vie chère, ce coût de la vie à Mayotte qui est assez élevé aujourd'hui? Vous, en tant que député, votre position, vos idées sont lesquelles? Moi, je pense qu'il faut faire plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut donner à nos collectivités les moyens d'investir à Mayotte et de permettre la création d'emplois, la création de richesses. Permettre la création d'emplois et de richesses permet de diviser, de réduire la pauvreté ici. Et quand on met de l'argent dans les circuits financiers, cela permet de réduire un certain nombre de prix parfois trop élevés. La deuxième chose qu'il faut faire dans notre région, c'est investir dans notre aéroport. Nous devons avoir plus de concurrence, à permettre aux acteurs économiques d'avoir plus de fluidité dans les approvisionnements, car la question du fret aérien participe aussi à la cherté de la vie. Et je sais que les acteurs économiques demandent l'aide des pouvoirs publics pour réduire les coûts du fret maritime et aérien et augmenter les capacités de fret. Donc je serai un député exigeant sur ces sujets-là, car les acteurs économiques ont raison de demander un fret moins cher et plus et en quantité. Je serai également le député qui accompagnera les initiatives en matière de création de compagnies maritimes pour permettre à Mayotte, là aussi, sur les questions d'approvisionnement maritime, d'avoir plus de flux et avoir moins de tensions sur nos stocks, parce que les gens l'oublient. L'essentiel de nos approvisionnements ne viennent pas par avion, mais par bateau, par Longoni. Et c'est là où est le cœur du sujet. Nous avons beaucoup de tensions et nous avons une cherté qui vient frapper les Mahorais parce qu'il y a une tension sur les stocks. Et donc je serai aussi ce député-là, le député qui va défendre les intérêts des Mahorais en matière de lutte contre la vie chère. Alors, une assurance raisonnable est aussi demandée par les électeurs et les auditeurs ce soir. Aujourd'hui, on se demande, l'État doit surveiller les entreprises. C'est une réalité, une évidence. Les particuliers également ont aussi leur rôle à jouer aussi autour de ces contrôles. Peut-être que les particuliers vont aussi surveiller si l'État fait bien son travail sur le terrain, les actions publiques aussi. Alors, vous, en tant que député, quelle serait votre place dans ces contrôles? Parce qu'on est un peu dans le flou. La population qui contrôle l'État, l'État qui contrôle les entreprises. Et qui contrôle qui, en fin de compte? Nous sommes en République et la population a le droit de savoir comment est géré les deniers publics. C'est la population qui donne mandat aux députés pour contrôler en son nom l'action de l'État. Et je le disais tout à l'heure, l'Assemblée nationale, le Parlement, ne contrôle pas suffisamment l'action du gouvernement. Et c'est son rôle, après avoir voté la loi, de contrôler l'exécution de ces lois. Or, à Mayotte, cette affaire n'est pas suffisamment réalisée comme il le faut. Et moi, je serai un député exigeant en matière de contrôle de l'action du gouvernement. Et ce n'est que justice. Si l'État contrôle les associations, contrôle les collectivités, il faut aussi que le législateur contrôle l'action du gouvernement. Ce n'est que justice. Et pourtant, les économistes se félicitent du combat victorieux qu'ils mènent autour de l'inflation. Entre autres, ils pensent que tout est clair, tout est normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, tout n'est pas clair, tout n'est pas normal. La vie est chère, y compris en France, dans des proportions moindres que chez nous, mais les métropolitains jugent que la vie est chère aussi en métropole. Il faut lutter contre l'inflation. Et pour lutter contre l'inflation, moi je pense qu'il faut que l'État investisse. Il faut que nous soyons plus autonomes dans un certain nombre de domaines, dans le domaine de l'énergie. Mayotte, et on parlait du gaz tout à l'heure, du pétrole, de l'essence. Mayotte connaît des difficultés à ce niveau-là et nous savons que dans notre île,
Nous avons un potentiel énergétique dans le solaire, un potentiel incroyable qui est encore trop largement sous-exploité. Et moi, je serai un député exigeant en matière d'autonomie énergétique. Nous devons nous imaginer qu'un jour, nous ne pourrons peut-être pas être livrés en termes d'hydrocarbures parce que la guerre telle que nous le voyons peut entraîner des ruptures d'investissement et d'approvisionnement, et nous devons nous préparer à être plus autonomes dans ces domaines. Alors, c'était l'objet même de ma prochaine question, parce que vous l'aviez évoqué il y a sous peu sur une chaîne connexe à Chikoni FM. Vous l'avez évoqué, la guerre en Ukraine aurait des impacts au-delà de un mois à peu près. Nous sommes pile à un mois près depuis le commencement de la guerre. Les conséquences sont bien là ou on attend encore à d'autres effets de la guerre? Parce que là, c'est déjà pas mal là, pour un Maoré classique qui doit vivre son ramadan digne de son nom. Oui, les conséquences sont très concrètes. Très concrètes. Les conséquences de la guerre en Ukraine, nous le voyons sur le gaz qui augmente. Nous le disions tout à l'heure, l'Ukraine et la Russie sont des producteurs de gaz, nous le savons. Le pain que nous consommons de plus en plus dans les foyers maorais a augmenté. Moi, je suis allé acheter mon pain il y a quelques jours. Pour 2 euros, j'avais 5 ou 6 pains. Maintenant, j'en ai plus que 3 ou 4. Donc, je le vois pour 2 euros, le nombre de pains que nous avons. Et les producteurs vous disent tout simplement que le prix de la farine ayant augmenté, ils doivent répercuter cela. Cela nous dit quoi? Nous devons réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Nous produisions du riz avant, même si nous ne pouvons pas produire des prix en quantité industrielle, nous devons reproduire du riz, du paddy. Nous devons reproduire plus de bananes, parce que nous produisions plus de bananes. Mais depuis qu'il y a de l'insécurité, y compris dans les champs, les gens cultivent moins et nous avons moins de ressources. Nous devons augmenter nos capacités de production dans la banane, dans le manioc, sur les produits de base. Nous devons augmenter notre capacité de production d'énergie sur l'hydraulique, si nous le pouvons. Il faut étudier la situation sur le solaire, si nous le pouvons, les énergies marines, si nous le pouvons. Et je sais que c'est possible. Des études ont été faites par le département il y a quelques années. Ce qu'il nous faut, c'est donc une impulsion politique majeur, et je serai à l'initiative de cette impulsion, car la guerre nous montre que le statu quo n'est pas possible. Mayotte ne peut pas être l'otage de la situation internationale. Nous ne serons probablement jamais totalement autonomes, parce que personne ne le peut, mais nous devons réduire drastiquement notre indépendance vis-à-vis d'un certain nombre de produits et de productions. Merci. Alors, à vous entendre parler pour ce soir, M. Saïd Soufou, on a envie de vous poser une question ultime. Est-ce que vous soutenez, peut-être que la question n'est pas bien posée, est-ce que vous avez un rang politique digne de ce nom pour vous représenter en tant que député? Moi, je suis un Soroda. Je suis un fils de Soroda depuis toujours. Je milite pour Mayotte parce que dans l'esprit des Maorais, être Soroda, ça n'est pas d'appartenir à tel ou tel camp politique, c'est être militant pour Mayotte. Et ça a toujours été mon cap. Et c'est pour ça que nous avons un mouvement politique qui s'appelle le temps d'agir. Parce que c'est le cœur même d'un Soroda que d'être toujours dans l'action. Et donc je serai ce législateur de l'action, le député de l'action, car il est temps d'agir pour Mayotte. L'action pour Mayotte, bien évidemment, développée ce soir depuis votre studio Wassinawassi. Nous sommes ensemble pour étayer et développer les actualités pour Mayotte. Hamou Tassoual, parlons un peu Shmaoré pour résumer. Hamou Tassoual, Sula Saïd Soufou, Narombo, Diharmoa, Iluha et Shmaoré. Je ne parle pas trop bien Shmaoré, mais tu vas essayer de m'orienter. Narombo, Diharmoa, Iluha et Shmaoré, programme Zaho, Harmoa,
députation Ijao va vous. Wami nswambia wa maore ambaswa tsamsa da ileribweshkande pia ye maore riono wa wakar wa boshelia marahaba ama ya mavunara kuya gujaka yaja imaore ingamia harumatongo za hifadhi ingamia harumatongo za akiba kaya para zihaki za kugojewa harumwa wao wa wanekondro wao wa koremwa zigirnadi wao wa kwenda mbio kawa para zihaki zao wami suambia amba neka wasunba uaminifu na nswami ya wanbe uaminifu wo rito wana ihifadhi nije hauti ya vala imipaka yatu na ishombo ile hiro mba Frontex rito fanya namna ata sirkali zatu zipare mali za lazimu za stahaki zijezilele uabole na watiti zijezilele nyumba za hazi za nafsi ya zatu ili buje marziki jula wao wa wanaikono niswambia raha nisurambia raha ambari tieni jitihadi beitongobole ya baiki ya vanu ni wasi utaha zaidi Faransa ni watu utaha zaidi Europa mana zaidi ya Faransa yo zaidi ya haki zaidi ya Europa yo zaidi ya hifadhi hatu hunu izo deni rambiao yo deni ambiao wa maore ri vane waminifu amba wakati upara wa ubujudza ishikandre ya udepite wa maore leo Ramadhani ni madzaingia sukari balwa wa maore tsofanya namna jejeta Ramadhani zao atso vila fete mashallah kan niswambia wa maore amba tsumu njema tsumu ya baraka tsumu ya unono ya utulivu ya ibada nisumia wanyatu wakaomba de wauzao bazari na wao wauzao madukani rimnane Mungu rijwemba unu wakati wa ibada beti wakati wa ujariba karto jwara jariba arudira rungwa mbari na tsumu narnahane wao kasudishindra ambazi haki za wa maore rahazi dhulumishiha watitiraka wasina zinafaka za udzilela narwalele wasirjona tongo za uza riwanahane amba wao wajau ne lazimu wapariftari wa mwesuvunza tumu insha Allah harmai deputation yaho vutoka kampanyi toja vavu wakati wa kampanyi usuja bila shaka ramweso vote maraisi wa idaula uo utoka wakati ya wasi ujuambiana ibarna majiatu harumatongo za hisuiha harumatongo za hifadhi harumatongo za akiba harumatongo za maisha kwa kila suku mana riono amba imaore irege ya unyuma wao wakawarambia mba jilao upaswa miri na mawe riono mba zitwa zao wa maore lezipasu hao rangu mahamita nweni ya vira ritoka jula waeleza zinafaka rto zitia umune maori yatu atahifadhu iregee na yakiba ya maori irekebeshe ibarikishie inshallah. Merci à vous monsieur Sula Said Soufou d'avoir répondu à notre invitation. On aura l'occasion de nous recroiser très prochainement. À bientôt.